Salut à tous, c'est Alex au serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 3. Adonis est né, ça y est. Et sa mère s'en fout, elle joue de la guitare dans la chambre, très bien. Écoute, tant mieux. Oh, qu'il est mignon, alors attends, qu'est-ce qu'il veut? Alors, il pue pas, donc on va pas le changer. Il a peut-être faim. Il veut peut-être qu'on le serre. Il veut peut-être qu'on le tienne. Il veut peut-être qu'on joue. Oh, on va tout faire. C'est le plus simple. Noble Sorgray. Nubudador. Nubudador. Oh, calme-toi. Papy et mamie vont s'occuper de toi, nous on va partir en Chine. Oh, Adaluna. Oui. Oh, Nubu. Gurkipsia Nubu. Oh, ta-ta. Ta-ta. Alors, on a manqué de récolte pour que les œufs éclosent. Ah bah tiens, on a encore des poussins. C'est la saison des petits quoi. Un gamin, oh, des bon poussins. Ah, quoi, quitter le jeu? Annulé. Ah j'ai... Non, je joue avec ZQSD, c'est pas bon. Oh les petits poussins. C'est mignon. Ok, zéro toile sur une. Tu veux faire une toile? Jouer avec les poussins. Attends un petit peu. Finis ta toile. Voilà. Toi, tu bosses. Alors. Tu vas vieillir d'ailleurs. Tu vas passer adulte. Voyons voir. Au niveau du taf, comment ça se passe? Tu peux travailler dur. Allez, hop. Papy. Papy, il bosse. Ok. Traîner avec les membres de l'équipe, c'est bien. Et mamie, faut qu'elle rencontre les membres. Voilà. Très bien. Alors, je sais pas si elle peut partir en voyage du coup, en sachant qu'elle vient juste de d'avoir un bébé. Mais on a quand même des donjons à explorer. Roup. Ok, ramène des sous, c'est bien, des sous. C'est bien. Une augmentation, parfait. Il nous faut des sous pour partir, donc tiens, toi qui es fan des poussins, va nourrir les poulets déjà, et puis va jouer avec les poussins. Mamie, serre ton petit-fils contre toi. J'ai même plus qu'elle peint là, c'est un peu... C'est un peu spécial. Ah, Nebakluna. Oh. Oh. Ça pioupioute. Se disputer, se battre, non. Demander si les poules auront des dents. Ça l'amuse. Bien évidemment. Farid, ah, il bosse encore. Dans ce magnifique petit resto, faudra qu'on y aille un de ces quatre. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Le poisson-chat du chef. Attraper un poisson-chat de gouttière en utilisant le fromage comme appât. Non, j'ai pas le temps de faire ça. Alors oui, j'avais dit que j'allais vous présenter du coup le stand de tir. Je ne peux pas pour l'instant car j'ai des problèmes pour connecter mon jeu à mon profil. J'ai changé de mot de passe sur Origin et j'arrive pas à le re-rentrer dans les Sims 3. Et quand je dis mot de passe oublié dans les Sims 3, il me renvoie vers EA, vers Origin du coup. Et enfin, je... Il fait des trucs bizarres le jeu.
Impossible de me connecter, du coup. C'est un peu compliqué. Donc je verrai, je trouverai ça une fois prochaine. Wow! On s'amuse avec les poules. Mawa Passan. Mawa Passan. C'est beau de les voir s'aimer autant. Shula. Shula, ma mamie elle est fatiguée. Ouais, voilà, va te détendre. Papy aussi, hein, il veut dormir. Voilà, il fait le lit. Ah, pendant ce temps, ça peint. Qu'est-ce que ça représente, ton truc, quand même? C'est rouge et vert. Ah, il fait tous les lits, du coup. Bah, c'est gentil, papy. Farid, très bien. Alors, ah, il était à ça d'avoir une augmentation, enfin une promotion même. Quelle tragédie. Mouleur d'épices, quel courage. On est bien à la maison, hein. Alors, t'as pas très faim. Tu t'ennuies un petit peu, tiens. Joue à la console. Pas assez proche d'une télé. Ça va comme ça. Voilà. Plus du tout centré. Oh. Oh bah dis donc. Bon, elle a bientôt fini sa peinture ou pas? Ah, on en voit le bout. C'est poussin lui. Mais lui il adore être dehors, hein. C'est dans sa personnalité en même temps. Je suis toujours perdu dans les menus. Compétence. Simologie, c'est le premier. Amoureux de la nature, donc amoureux des poussins. Nibou. Warns to me. Wants to me. Sunubi nor. Danwa. Oh. C'est mignon. Ah, totalement changement de jeu. Ah, attends. C'est quoi ton défi en fait sur tes toiles? Taille moyenne. Ah non, c'est une grande ça. Fatigué? Fatigué. Ok. Ok, fatigué. On fera une moyenne. On la fera avant de partir comme ça.
On laisse pas de trucs en suspens. On pourra reprendre les arts martiaux avec Farid. Alors, bah tout le monde dort là, non? Pourquoi c'est pas en accélération? Non, Loris il dort pas. Il joue avec le dragon maintenant. Allez, ça suffit les bêtises. Au dodo. Who's a dwarf? Wurbsa. Ibnork. Laisse-le vivre un peu ce dragonnet. Voilà. Alors, évidemment. Allez, papa. Ah bah oui, chacun son tour. Hein. Ouais, il boude toujours, ce gosse. Ojabo. Ojabo. Oui, bien sûr, tu vas dormir là. Écoute, si tu veux, je vais pas te contredire. On fait un cauchemar, j'ai l'impression, Mathilde. On dort, c'est bon. Il n'y a pas d'accélération. Non, pas du tout. C'est elle qui râle parce qu'elle joue. Bon, arrête de jouer. Va prendre ton bain. Ah, faut se les farcir les filous. Alors notre futur comment dire, grand cuisinier là, c'est lui qui va faire à manger du coup. Voilà. Pour tout le monde. Dag dag. Attends, il y a un peu trop de trucs oh non, je vais laisser les trucs là en fait. Il y avait trop d'objets par là et pas assez ici, mais je trouve qu'en fait ça va. Allez donc, elle a une grosse envie de dormir. Et vas-y, Claude, elle joue encore. Il n'y a pas joué pour les poules. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dormir? Non. Bain. À la rigueur, tiens, monte ça. Si je... Ah, il n'y aura pas de fenêtre. Je dis, je peux agrandir éventuellement si je décale... Ah, ça fera moche, là. Non, vaut mieux laisser la porte comme ça. Ouais. Je voulais agrandir la chambre du gosse, mais bon. Non, on va laisser... Laissons la salle de bain comme ça. Cela dit, je peux rétrécir et agrandir le salon, en revanche. Ça, ça pourrait être pas mal. En fait. Et faire la même chose ici. Non, quoi que là, c'est bon en fait, niveau taille de chambre. Faire un plus grand salon, par contre, ça pourrait être cool. Ooh.
dormir. Ouais, bon, décidément. Faim. Ah, mais je t'ai fait à manger. Farid fête son anniversaire. Bah écoute, on va lui offrir un voyage en Chine pour l'occasion. Par contre, je pense pas pouvoir faire de mur. Tester. Ah si, on peut faire des murs comme ça. Bon, ça va faire moche, mais à la rigueur, si je condamne la pièce comme ça. Voilà. Alors, ensuite. Attends, deux secondes. Chut. Pose ce truc-là deux minutes. Alors, pourquoi tu vas pas pousser le. Rien perdre comme objet. Pose-moi cette baignoire. Voilà si tu veux. Peut-être petite après quand même. Si je fais encore ça. Après ça c'est que de la déco. Regarde, ça rentre. Hop, baisse un petit peu ça, voilà. On prend la douche. Alors, ah ouais, par contre, ouais. Ah, c'est relou ça. Alors attends. C'est vrai que les fenêtres c'est chiant. Oh là. Puis la taille de cette télé aussi. Ça c'est con. Bon, du coup je le mets là. Dans ce cas faut que je ferme encore plus par là. Ça. Ok. Du coup. Ah. Tout droit. Voilà. Après, je peux toujours faire. Là, je peux rajouter une plante. Je vais mettre celle-là en attendant. Hop. Ok. Et là, du coup. Voilà. Attends. Voilà, pour les lumières, je crois que ça va au bout d'un moment. Ah, ça sombrit vite quand même. Allez. Bah. Voilà. Ok. Ah, bah ça me paraît pas mal. Bon, la salle de bain est toute petite maintenant. Mais on a récupéré un salon un peu plus sympa.
après, rien n'empêche de... Si, ça empêche. Est-ce que foncièrement, hein, c'est plus moche comme ça? Non, pas spécialement. Mais c'est un peu plus centré. Du coup, je me sens mieux. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Vous savez ce qui manque? Un beau tableau. Plante contre zombie, oui. Ça du coup. Ça vient de Chine en plus. Voilà. Un peu de déco. Voilà. Du coup, on est moins écrasé. Le salon est beaucoup plus sympa. Ça, la salle de bain, c'est pas mal. Bah voilà. Ils ont une grande suite du coup, tant mieux pour eux. Bref, Mathilde. Bah mange, ils sont les pancakes de monsieur. Mange les restes des sandwichs, si tu veux. Cousi Braga, cousi, cousi, cousi. Oubzadazi. Oubzadazi. Kibao. Gear flip. Comme elle mange ça. Ok. Les toilettes maintenant. Tiens, va tester ta nouvelle salle de bain. Ah, oui. Petit souci de porte, par contre. Et alors, le téléphone, il est où? Ah, je suis bête. C'est vrai. On est dans les Sims 3. Alors. Voyager. Bonjour, je viens d'accoucher. Et j'ai envie d'aller en Chine. Alors, du coup, j'emporte pas Adonis, j'emporte Farid. Du coup, on va en Chine et on va les 11 jours au maximum. Comme ça, on aura le temps de faire pas mal de donjons. Allez, papy, mamie, on compte sur vous, occupez-vous du bébé. Nous, les parents indignes, on se barre. Les promos, on s'en fiche. Oh, alors le grand cyprès. Ça, non? Ça, ça. Ça, 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 ça. Raisin. Nickel, ok. Paris de nectar, c'est facile ça. Mur basique, ça va être ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Ça. Un raisin. Une granafran. Graladinafran. Expert de raisin, moi. Alors, nouvel endroit. Mais non, mais je connais. Voilà, nous revoici donc en Chine.
Ah là là. Alors, méditer au jardin. Il fallait qu'on augmente du coup la compétence. Je sais pas si on peut déjà méditer là. Oui, bon, on attend de discuter 5 minutes. Le jardin. Attends, faut que je retrouve mes marques. C'est là. Je sais pas s'il avait assez en... Je pense pas qu'il avait assez en... En entraînement. Du coup, on va continuer. Voilà. Et toi, tu devais convaincre des habitants pour je ne sais plus quoi. Compétences. Alors, les quêtes. Deux secondes, ici. Objet magique. Ah oui, détruire les rochers. Il fallait que je demande l'autorisation des gens. C'est bien ça. On a des amis ici en plus. On peut leur demander à eux. Ou non, invite-le directement lui. Voilà. Ah bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu en Chine. Eh oui, maintenant j'ai un enfant. Vas-y, invite-le. Hop, très bien, on va attendre. Smymert, Zen, Luna Aldu, Silo. C'est lui, attends, je l'ai pas reconnu. Pas lui. Explorateur. C'est qui la James Bond? Farouk Rashid. Donc. Tiens, tu ferais bien de t'entraîner avec. Voilà. Machine après. Planche en chaîne, je pense que tu peux y arriver. Arrêtez de vouloir me rencontrer, oh là là, ces gens qui me draguent tout le temps. Alors, compétence niveau 5, il peut méditer maintenant, c'est parfait. On s'en fout, du coup, on va aller méditer dans le parc. On va aller se poser là. Hop. Alors du coup... Où est Lee? Ah bah il est là, voilà. Alors, pourquoi j'ai... Oui, c'est une bande du coup, mais alors, peut-être que je l'ai déjà demandé à lui en fait. Bon, quitte la bande. Farid. Oh là là, regardez comme c'est reposant. Ah, oh. Un mec bizarre qui... Ah non, c'est... Et ok, il regarde la sculpture, j'allais dire. C'est beau, non? C'est reposant en tout cas. Il faut méditer combien de temps? Il est zen. Alors, bon, écoute, lâche un peu Lee et on va essayer de rencontrer quelqu'un d'autre.
On va demander si on peut choper la hache à quelqu'un d'autre. Alors, on va aller ici après tout, hein. Il y a toujours du monde un petit peu avec les boutiques. Évidemment, là, il n'y a personne. Où êtes-vous les gens? Personne, il y a des gens dans le coin. J'entends des rires. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Non mais c'est la Chine, il y a plus d'un milliard d'habitants, hein, s'il vous plaît. Bah tu sais quoi, on va aller là. C'était amusant, légèrement mieux que de rester seul à la maison. Bah écoute, tant mieux, voilà. Vas-y, va te présenter à madame je sais pas quoi. Toi, tu peux aller terminer du coup ta quête. Piou 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 piou. Alors, en route, en vélo. Allez, un peu plus de pédale. Prends un Solex la fois prochaine. Ça me fait penser à Planche Gardin du coup. Où est-ce qu'elle est passée? Quoi écouter de la truc? Mais non. Là. Calmos. Ici dans le jardin. Alors. Présentation amicale, pas grossière. Je sais même pas pourquoi il y a l'option présentation grossière dans le jeu. Pourquoi faire ça? Alors. Grâce à une grande concentration et à la relaxation, Farid Desidera est assez concentré pour se téléporter au plus haut de la lévitation. Cliquez sur la destination désirée pour vous zénéporter. On peut se zénéporter maintenant. Ah, ça y est, parce qu'il... Alors, attends, il faut contacter machin. Oui, je sais pas où est-ce qu'il habite. On va tenter une zénéportation. On va pas viser trop loin pour l'instant. Non, c'est bon. Oh, c'est magique. Voilà. Très bien. Maintenant, on sait se téléporter. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Où est mamie? Discute. Pourquoi au téléphone? Bon, attends. Parle avec Shen, là. C'est ça, d'être à 10 endroits. Ouh, purée. Ouh, j'ai pas encore ce niveau-là. Discours dans Street Fighter, lui. Bonjour. J'adore les Sims qui prennent l'initiative, blablabla. Bla bla bla. Arrêtez de me draguer tout le temps. Tiens, potin loco, faire connaissance, parle d'art, de musique. Nebaclona, Bon Iba Nochi, La Chinibo. Arglo, devable zidwa, wajdu suba. Chorg, yapa. Allez. Bargo, kamiksa wigati. Goofy. Bla, budana tap, bugapazo. Nizo, shantasti. Wababalong, fatuzi. Orchtu. Empty bugam, bali banaga. Savo Luman, Eshti Port. Flopsy Mendoga, Snimo, Ta. Folda, Folda Katna, Si Tuajide. Tapun, Banag. Ah, Gunadatak. Welki. Benzi Chibna Lubo. Barzebni Welp. Arbo. Arbo Gwichni. Zelka Wapna. Spirgle Stambadu. Dronga Setubda Valuzu. Me, Brooks. Allez, ça papote. Bah, c'est pas encore assez en niveau d'amitié là. Fais-lui une grimace, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, pas de chanson par pitié. Raconte-lui une histoire.
Tibula. Freeb, Kabolata, Ibi. Juxiptigo and Greetabop. Tugini, Yalarko, Rek. Filanu, Tavanor, Gag, Smago. Yablonk Mimsies, Vexaladu, Rabazi, Bujing, Pixifibarunib, Saderbnasi, Ribadu, Glar, Zal. Zal Abana, Wunawibs. Gripsip. Allez. Ego Norbalub. Taka. Dis-moi que ça marche. Ah, c'est bon, ça a marché. Parfait. Facile à convaincre. Ok, tu vas résoudre ça. T'es revenu ici, toi. Parle à monsieur, là. Vous avez une vision saisissante et inattendue. Je savais que vous verriez quelque chose, mais pas ça. Ceci est la clé de voûte de l'ancienne retraite des moines. Utilisez cette clé pour entrer dans le tombeau et récupérer une relique ancienne qui contient les anciennes écritures de Qin Shan Hu. Apportez-la moi et je vous récompenserai en pièces anciennes. Alors je sais que ça se prononce pas comme ça, mais je ne prononce pas très bien le chinois malheureusement. Alors, une rumeur court, Farouk Rachid serait un extraterrestre vivant incognito dans notre quartier. Bah dis donc, sacré Farouk. Les écritures, bah, allons là-bas. Non, tu vas peut-être rentrer pour prendre soin de ton humeur. Là, on va pouvoir récupérer la lance, et ça c'est très très bien. Ça va nous aider dans certains donjons. Et c'est pour ça que normalement on est censé faire la Chine en premier. Ah ah ah, j'ai réussi. Observe Zorks. Zampies. Zorka? Je savais bien que les habitants aimeraient cette idée de rocher détruit. Néanmoins, il semble que Aipei ne me croit pas sur parole. Aipei veut vous parler personnellement de cette affaire de rocher. Allez répondre à ces questions stupides pour que nous puissions détruire le rocher. Non mais laissez-moi péter des rochers, quoi. Je veux péter des rochers. Alors pendant ce temps, Maurice, prends soin de toi. Oh, purée, la musique horrible. Je retourne en vélo pour la peine. Ouais, je commence à avoir faim forcément. Décidément, on se fait toute la ville en vélo là. Hein. Ils veulent nous rendre zinzin. Bon, ok, lui ça va, il s'occupe bien de lui. À son âge, heureusement qu'il est indépendant et autonome. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas d'entrée par là. Pourquoi tu nous fais tout le tour? Il est là, Maurice. Allez. Bonjour, monsieur Kipu. C'est Aï Kipu. En même temps, si tu sens l'ail, forcément.
Alors, ça va être quoi tes questions pourries? Ah, je devrais peut-être me montrer plus amical avant. Oh là là. Bonjour. Il va me draguer encore. Ça risque des aventures. Initiative 0. Je mange un petit morceau. Oui, ça ira. Raconte une histoire drôle. Voilà. Tu nettoies. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise encore? Ah non, mais reviens. Ah bah tranquille, l'autre qui rentre. Tout le monde pue ici, hein. C'est possible de revenir. Ah, il rentre chez lui. Non! Bon bah, rentre chez toi aussi, du coup. Taxi! Oh, goggle! Geets! Dabido! On répondra plus tard, on va laisser galérer. Oui, alors la musique là tout de suite. Voilà, merci. Qu'est-ce que. Oh non, c'est vrai qu'il y a encore une fuite ici. On a notre extraterrestre là. Allez. C'est volé d'escalier, une heure pour rentrer quoi. Alors, énergie en premier, peut-être vessie quand même pour pas que tu te réveilles en pleine envie de pipi. Voilà, non, pas se détendre. Dormir, un bon dodo. Qu'on entend de d'ici à une cascade quoi. C'est une nouvelle fuite ou c'est la fuite? Il y avait eu une fuite la fois dernière quand on était venu et ça se trouve c'est la même qui n'a pas été réparée depuis. Allez, qui va se réveiller en premier? Bah ça va être Farid bien sûr. J'ai quand même très grosse envie d'aller réparer ça parce que c'est énervant. Ah bah oui, il y a une fuite. Effectivement, personne ne se bouge les fesses pour aller la réparer. Hein. Compagnie canon. Si ça, c'est pas mignon, franchement. Les petits amoureux. J'entends des gens qui épongent, j'ai l'impression. Mais bon, ça sert pas à grand-chose. Salut!
accélère. Suspense. Est-ce qu'il va y arriver? Quel homme! Quel homme! Allez, fais des gaufres. Pour ta petite femme chérie. Parce que j'aime bien voir tes muscles. Alors, bah attends, il est en train de cuisiner. Bon bah, d'accord. Je pensais qu'elle allait cuisiner, en plus elle se prend juste un énorme pot de crème glacée, bravo. Alors qu'il y a des bonnes gaufres qui arrivent. Vous pouvez pas éponger ça, non, par hasard, monsieur Farouk. Peut-être que c'est un extraterrestre, hein, même s'il ressemble à Man in Black. Bah dis donc, elles sont longues les gaufres. Allez, ah mais elles sont bien réussies, elles sont belles. Qualité normale seulement, mais bon. Bientôt ce sera un grand chef cuisinier, vous verrez. Alors du coup, bah toi du coup, t'as mangé ta cochonnerie là. Un bain. Finalement c'est Farid qui va faire un tombeau, comme quoi. Allez, un bon bain. Tu manges avec les baguettes. Cool. Bah, les gaufres, c'est peut-être pas pratique quand même. Mais qu'est-ce qu'il... Il y a un qui pète un plomb là, qu'est-ce qui se passe? Ah mais il est vraiment chelou ce mec hein. Ça va? Non, ça va pas très bien. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Ok. Tout va bien. Oui, ah voilà ce que j'allais te proposer, une bonne douche. Parfait. Et vas-y que ça chante. Retourne voir Maurice. Maurice aïe. Ah non. Relou. Allez, un petit arrêt aux toilettes quand même. Allez, encore un truc de pété. Oui, bah ouais. Allez, en route. Johnny Safasi, Vibal Deach, Nagargalu, Sabzi, Zamblazavol, Fucha, Gazu Cerno, Pee,
Prends ton temps. Toi, t'as un tombeau par contre, c'est bon, t'es prêt. La retraite du point résolu. Cours-toi un petit peu aussi. Allez, trajet là. Il est où? Il a chopé. Ah voilà, il est là. Ah, il va me dire, faut qu'on soit plus. Oui, je sais. Prends 2 minutes. Voilà, admire un livre. Discute. Fais connaissance. Échange de potins. Réponds aux questions à la fin. Toi, t'y es. Alors, du coup. Ah oui, c'est vraiment un monastère là. On va voir ce qu'il y a là-bas. Il y a un truc. Il y a une entrée secrète quelque part, c'est sûr. Ah bah, regarde. Juste à l'entrée. À quoi il ressemble ce bâtiment? Ah, c'est joli. C'est très joli. Il doit y avoir un truc là aussi, je pense. Alors, suspense. Ah non. Ici. Ok. Alors. Je pense que ce serait plus simple quand même qu'on vienne avec madame. Il y a des choses à... Ah, il y a un bouton. C'est bon, on est assez amis maintenant. Pas encore. On va le saouler, hein. Toi avec tes cailloux pendant ce temps. Ah bah oui, bah ça. Je sais pas ce que t'as côté compétences. Oh, athlétisme, ça va, t'es niveau 2. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus, elle. À force. Niveau 4, effectivement. Tu pourras inspecter ça après. Ah bah bravo. Oh quelle horreur. Je sais pas ce que j'ai avec les insectes et les Sims, hein, mais dans les Sims 1 ou les Sims 2. Notre porte. Ok, ça va être juste un petit trésor. Allez, vas-y au boulot. On pense à ce qu'elle s'en sort, elle. J'ai pas l'impression qu'elle s'en sorte mieux. Hein. On en est où? Continue à discuter avec lui. Demande comment s'est passée la journée, les petits potins.
Jarka. Me wanna talk. Go on. Nah. Nasorba, Subikala. Ah, non, ça a l'air de rire. Je crois qu'elle était en train de désespérer. La, Budanata. Lach Budiva. Wam, Buhu. Basim, Vidor. Gasha Buvo, Sadurp, Wandiak. Warbajau, Tizo. La, Mior. Mio. Balumi la Zixna. Je pense que là, on va pouvoir tenter. Zix, Satu. Bobana Katu. Steam. Wipsy. Norcha. Ah, enfin une personne lucide avec qui discuter. Abiyatsen ne peut pas dire une seule phrase sans parler de détruire des rochers. Je vais partager cette information avec vous, mais vous devez d'abord prouver que vous avez de bonnes intentions. Les coffres de Shang Simla sont vides et la ville a besoin de fonds pour continuer des travaux locaux. Rassemblez 3 morceaux de précieux lapis-lazuli et apportez-les-moi. Je les donnerai à la ville. Bien sûr, votre aide sera rémunérée. Ok, maintenant il faut choper des pierres. Ça, ça devrait aller. Il y en a déjà 2 ici. Ok. Pendant ce temps, Farid, il fait le zozo dans, dans sa grotte. Voilà, le troisième est là. Alors. Hop, et ça. Fouille. Ok, alors. Attends. Ramasse ça. Ouvre ça. Eh bien, je prends tout. Maintenant, passons à la fameuse porte. C'est une grande porte. Alors, un dojo. Plein de portes, de l'entraînement. Il n'y aurait pas des pièges par hasard ici ? Faut se méfier. Hein. C'est quoi toutes ces portes? Plein de chambres en fait finalement. C'est intéressant. Ah mais c'est original, hein, je trouve ça cool. Livre les pierres. Alors là-dedans, il y a un truc. Peut-être ouvrir la dernière. Une relique valant 9 simflous, super. Ah, on a ouvert la dernière porte, c'est bien. Ça. Hop là. Mathilde vient de trouver des déchets. Je sens qu'il n'y a que des trésors non plus là. C'est pas ce qu'on cherche là, on cherche à passer cette porte. On va voir, peut-être que c'est lié au statut. Parce que là, a priori. Voilà, ouais, il n'y a rien. Mystère mystérieux. Dans les coins. Bon, je doute que... À moins qu'il y ait une porte secrète quelque part. Rosie.
si elle veut discuter. Livre tes pierres précieuses, toi, 2 minutes aussi. Non. Ouais, pousse maintenant. Ah! Non. Mince alors. Planche en chaîne. Donc ça c'est fait. Il y a un truc qui m'échappe. Là il y a bien les 4. Je pense que c'est plus de la déco. Est-ce qu'il y a un truc dans la pièce ou à côté? Ça on l'a déjà fait, hein, ça voulait autre truc. Donc on est loupé quelque chose dans une des... Ah. Ça alors... Je vais réinspecter celui-là. Et à moins que dans cette salle-ci... Non, y a rien. Vraiment, je ne vois rien. Ouais, bon, arrête avec ça 2 secondes. Livre tes pierres précieuses, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais en plein milieu de nulle part? Rien. Et ici, rien. Ah! J'aurais mieux fait de mieux regarder, tiens. Elle était cachée par la statue. Ah, faut être attentif, hein, des fois. Allez, tire ça. Ah, tiens. D'accord. Allons-y. Ou pas. Bon. J'ai bien compris. Voilà. Voilà, c'est bon. Mathilde, pour l'instant, elle fait tout sauf ce qu'on lui dit de faire. Quelle canaille, livrer les pierres précieuses. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh, j'aime pas ce couloir. Ça va. J'aurais pensé qu'il allait avoir un piège. Oui, 2 secondes. T'as faim? Ah, t'as peut-être pas de nourriture. Peut-être pas de nourriture, toi, sur toi. Ouais, c'est pas toi l'aventurier ici. T'as un œuf. L'esprit logique peut surmonter tous les obstacles. Ouvre ça 2 secondes. Ouh là là! Bon, rentre. Et toi, il est occupé sûrement. Ah ben attends, qu'elle est devant toi. Observe Zorks. Zampies. Zorka? Vous m'avez prouvé que vous n'abuseriez pas des pouvoirs de la hache de Pangu. Vous pouvez maintenant connaître la vérité à son sujet. C'est un outil magique forgé par les sorciers de Dong Huo pour détruire les barricades de ses ennemis. Heureusement, cette époque est révolue depuis bien longtemps, et vous n'êtes pas Dong Huo. Je vous remets donc maintenant la clé du Temple du Ciel. Vous trouverez la hache de Pangu entre ses murs. Cette mission sera très dangereuse. Bien, et bien sûr, ces entrefaites, nous allons rentrer au camp. Et puis, ce sera la fin de cet épisode. Du coup, retour en Chine. On a 2 temples à explorer, du coup. Un pour Farid,
et un pour Mathilde. C'est parfait, ça en fait un chacun du coup. Chacun son petit truc, même si Mathilde est beaucoup plus experte en exploration. Bah, ce sera l'occasion pour Farid de se mettre à tout ça. Découvrir la joie des pièges, en espérant qu'il ne meure pas non plus. Ce sera un petit peu triste, quand même. De repartir seul de... En même temps, ça ferait une belle histoire. N'écrase pas les gens. Mais en plus, c'est ta propre femme que tu viens d'écraser. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'était quelqu'un d'autre. Ça va. Allez, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Vous êtes plus de 10 000 à suivre les aventures de mes Sims. Donc vraiment, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir du coup mes autres let's play des Sims. Les Sims 1, les Sims 2, les Sims 4, les Sims médiéval, les Sims 2 naufragés. Et tout récemment, My Sims, donc un titre très différent qui s'inspire plutôt d'Animal Crossing. Je vous invite à aller voir tout ça sur ma chaîne en tout cas. Merci à tous et à très bientôt pour la suite des Sims 3 Destination Aventure. Salut! Un petit pipi pour la fin.